C'est bien, Tug va pas être trop gâté. Ne te moque pas de la culpabilité d'une mère divorcée. Ah, donne-moi ce nœud. Bon, et si je rencontrais Idriss Elba? Quoi? Eh ben toi, tu te retrouves branché à tout un tas de machines, en train de végéter tranquillement en mort cérébrale, avec des mesures exceptionnelles, et comme tu es techniquement encore en vie, je ne suis donc pas célibataire, je ne suis pas non plus veuve. Les années passent, et je ne suis pas le genre de femme qui... D'accord, il y a plein de gens qui pensent que coucher, c'est pas tromper. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'une relation affectueuse, c'est pas tromper. Moi, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Tout ça, c'est tromper. Même si mon cher mari est un idiot qui pense qu'il va avoir une chance sur 1 milliard... Non. Il y a des cas documentés de personnes se réveillant après des années... Il y a aussi des personnes qui ont vu le monstre du Loch Ness, et après. Alors moi, je vais être enfermée comme une nonne, à dépérir petit à petit, isolée et seule. Tout ça parce que tu en veux à Jésus. Et je n'aurai pas Idriss. Tu anéantis mes chances avec Idriss. Quoi ? Idriss Elba. Il pourrait venir à Seattle, être témoin d'un accident, voler au secours d'un enfant, prendre dans ses bras cet enfant et le porter torse nu jusqu'à ma salle de trauma. T'en sais rien ? Donc tu as l'intention de me débrancher pour pouvoir t'envoyer en l'air avec Idriss Elba. C'est Idriss Elba.